🎵 Bonjour à tous, euh, bonjour à tous ceux qui nous suivent euh, sur les réseaux. Euh, bienvenue à cette masterclass de Daniel Buren. Euh, merci Daniel de te prêter euh, à, ce, à ce petit exercice de portrait euh, pour, pour euh, orner comme ça notre galerie des portraits des artistes qui traversent le théâtre 14. Euh, une traversée d'ailleurs je, je trouve particulière parce que ça fait une semaine qu'on est ensemble pratiquement et euh, je pense en tout cas moi ma, ma mon, mon ma vie de directeur et ma vie d'artiste va être, je pense, très bouleversée par cette semaine. Et je suis vraiment très très heureux de, de cette rencontre artistique sur humaine aussi, mais artistique sur le sur cette semaine. Euh, je dois vous dire que cette rencontre a lieu dans le cadre donc de l'accueil de brèvement une résidence euh, de, de Daniel cette semaine au Théâtre 14, euh, où il a réalisé déjà deux performances de couleurs superposées, donc euh, les numéros 17 et 18, et ce. Sont aura lieu à 20h euh, le numéro 19, le 19 événement de couleurs superposées. Euh, dans le cadre tout ça également du festival Régénération qu'on organise tout ce mois d'avril euh, jusqu'au 24 avril. Euh, et qui a pour objectif de, euh, eh ben de faire rentrer en discussion les arts entre eux de, et de réfléchir sur, euh, sur les pratiques artistiques. Et, euh, et par exemple, euh, cet événement de couleurs superposées est à cet endroit-là euh, fascinant et, et immense. Euh, je dois vous dire aussi que dans le cadre de ce festival, vous pouvez retrouver demain euh, au conservatoire Alex Baupin, notamment, euh, et, et. Pardon? Pierre Guénard, en fait je le confonds et c'est honteux. Euh, et Pierre Guénard euh, pour deux performances musicales euh, au, au conservatoire. Que lundi on organisera un grand colloque comme on fait chaque année euh, qui portera cette année sur la question des publics. Euh, quels sont les publics qui vont au théâtre Quels sont les publics qu'on touche avec l'art Et comment on peut euh, convaincre des gens euh, d'accéder de, de, à l'art et que ça a un intérêt pour eux euh, et plein d'autres événements tout le long de la semaine prochaine. Euh, par exemple, une lecture du funambule, mis en scène par moi, donc ça, ça va être bien. Euh, Fabienne Pasco qui viendra aussi présenter son, son livre L'amante et, et faire une lecture. Euh, voilà, et plein d'autres événements qui suivent comme ça euh, pendant tout le mois pour aller à la rencontre de l'art partout dans le 14e. Euh, maintenant, je reviens euh, au, au, au gros dossier de, <laughs> de, de cette heure qui est euh, la, la, la vie artistique de Daniel Buren. Euh, et donc, Daniel, ma première question sera si, euh, 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 si, si ça peut faire un début. Euh, J'ai cru comprendre que c'est vers l'âge de 17 ans que vous aviez décidé d'embrasser de, la carrière d'artiste et je me demandais... Euh, Comment ça, comment ça se forme au tout début d'une carrière dont on sait qu'elle va être, aujourd'hui ça on le sait, euh, qu'elle va être assez incroyable, euh, qu'il euh, y a un destin à cet endroit-là, que ce qu'il faut faire c'est ça, euh, et que ce qui c'était important maintenant d'être artiste. Ça, ça... <laughs> ça va, coquille. Qu <laughs> euh, bon, bonjour, bonjour tout le monde. <laughs> C'est très compliqué parce que ça a l'air d'être, dès qu'on répond à une telle question, ça a l'air d'être assez coordonné, assez normalisé presque. Or, je pense que c'est une suite plutôt de penchants, d'événements plus ou moins marquants et autres, qui petit à petit définissent quelque chose qui, alors, vu rétrospectivement, donne l'impression d'être une d'une grande route, mais pour revenir vraiment à la question, moi j'ai mis pas mal de temps à définir, pas à définir mais à dire je préfère essayer de me lancer dans telle chose que dans telle autre. j'étais intéressé par beaucoup de choses. J'aimais ai, écrire, j'aimais inventer des histoires. Je, Peut être que la chose qui m'a le plus intéressé, ça a été le cinéma. J'ai pensé longtemps que c'est ça que je vais faire. Et puis, je me suis aussi rendu compte que un tas de choses autour du cinéma, surtout à l'époque où j'en parle, c'est à dire avant, avant mes 20 ans, ce qui remonte à quelques années quand même. Euh, C'était il y avait des, des barrières énormes techniques non pas par rapport à la technique du cinéma, mais par rapport à l'industrie du cinéma qui, que moi je ne me voyais pas du tout euh, aborder et surtout pouvoir confronter. Donc assez vite, euh, ça m'a un peu éloigné d'aller plus loin dans ce domaine, que j'ai d'ailleurs repris autrement euh, tout le long de mon travail. J'ai été parmi les tout premiers artistes à travailler sur les vidéos, par exemple, avec une galerie allemande qui s'est jeté là-dedans en 68 donc euh, au balbutiement de la vidéo etc et ça m'avait évidemment intéressé mais c'est on est entré à ce moment-là dans un en plus un autre domaine qui aurait pu permettre euh, surtout euh, 15-20 ans après qui permet je veux dire à beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par le cinéma de presque s'y mettre avec euh, euh, en mettant eux-mêmes les mains dans le cambouis parce qu'on peut aborder l'idée du cinéma et faire quelque chose, plus ou moins, euh, en le manipulant directement, sans tomber dans une euh, impossibilité financière, à moins d'être né très riche et de pouvoir avoir cet argent disponible. Donc, ça a beaucoup changé. Donc, ma position d'il y a très longtemps euh, n'est plus la même, bien sûr, mais il est trop tard pour que je me remette à faire ça. Et donc, à. Tu disais 17 ans, je sais pourquoi, parce que j'ai assez souvent parlé, euh, comme ça m'intéressait beaucoup, je connaissais très peu, je ne connais d'ailleurs pas beaucoup maintenant, mais je connais un peu plus, euh, je me suis lancé dans, un, dans une espèce d'étude sur euh, le titre de ce que j'avais voulu faire, que ce que j'ai fait d'ailleurs, ça s'appelait euh, L'influence du paysage de cézanne à picasso en provence voilà c'était mon, mon thème je ne savais même pas en fait ce que ça voulait dire donc c'était vraiment un, aborder un travail que j'avais inventé comme thème et qui est euh, dans le, pour lequel et avec le autour duquel je connaissais très peu de choses donc je suis parti en provence j'avais pas 10, si j'avais juste 17 ans en vélo moteur et j'ai circulé dans tout le, toute la Provence et j'ai rencontré euh, tous les artistes possibles, imaginables, qui travaillaient ou habitaient là. Donc euh, de juillet à septembre, j'ai dû voir je ne sais pas 100 ou 120 artistes. Et parmi ces artistes, j'ai vu quand même des célébrités qui étaient là. Comme Chagall, comme Picasso, comme Masson, enfin quelques uns qui sont quand même des très, qui étaient déjà très fameux, et forcément que ces rencontres ont été extrêmement importantes pour moi, même si j'étais d'une très grande naïveté. Par exemple, je me souviens qu'avant d'avoir pu trouver et euh, et téléphoner, je crois. À Chagall pour voir s'il voulait me recevoir cinq minutes sans savoir qui j'étais. J'étais dans une librairie pour voir ce qu'il faisait. Je connaissais son nom et j'avais quasiment pas l'idée de, de genre de travaux de peinture qu'il faisait pour pas être complètement ignorant. Et dire bonjour Monsieur. Voilà. Exactement. Et donc cette euh, entrée euh, par les coulisses. Euh, chez ces, ces artistes de tous ordres, hein. il y en a qui étaient déjà inconnus, qu'ils sont toujours, encore peut-être plus, ils sont, beaucoup sont évidents, presque tous doivent être morts d'ailleurs. et euh, ça m'a, je crois, appris beaucoup de choses que j'ai mis du temps à assimiler. mais, par exemple, la chose la plus forte, c'est qu'après les avoir rencontrés, évidemment, je me suis intéressé à tous, quasiment, sans, sans favoritisme, même s'il y en a qui ont été plus gentils que d'autres, mais enfin sans favoritisme. Et j'allais voir leurs expositions quand j'étais invité. Et ce qui m'avait frappé, et qui s'est répété des dizaines de fois, c'est que l'enthousiasme que j'avais, quasiment à chaque fois, avec ces personnages me montrant leurs œuvres parlant de ce qu'ils faisaient, moi je, je regardais, j'écoutais, etc. Quand les œuvres étaient dans les galeries, généralement c'était que des expositions de galeries, je me disais mais comment ça se fait que c'était si bien et que je trouve ça presque si moche <laughs> Parfois c'était vraiment une réaction presque à l'opposé, parfois c'était bon, bah, c'est d'accord. Mais j'avais un problème, je disais mais c'est pas possible, j'ai quand même vu les presque les mêmes œuvres. Et ça, ça m'a, je pense, marqué à, à tout jamais. Parce que finalement, c'est en face de ça que quelques années après, quand même pas juste après, mais quelques années après, quand j'ai commencé très sérieusement à essayer de travailler dans la, la voie qui me semblait la plus pertinente, j'ai quasiment, ou presque quasiment, quatre ou cinq ans après, abandonner l'atelier, abandonner tout, tout travail de peinture ou de sculpture ou d'objets fabriqués et autres pour travailler directement dans la rue. Et c'était une approche d'essayer de voir et de couper ou de raccourcir qu est -ce, quelle est cette distance entre la fabrication de quoi que ce soit dans un atelier et cette mise à la vue des autres dans un autre lieu qui n'a rien à voir avec l'atelier, qui est le musée, qui est la galerie, qui est tout ce qu'on veut. Et je crois que ça, c'est certainement quelque chose dans ce, cette approche vagabonde de toute la Provence, de l'Est à l'Ouest, euh, j'ai euh, non pas compris, mais qui m'a marqué, parce que j'aurais pu sortir de là et moi aussi quand, commencer à travailler si j'avais eu ça à l'époque, ce que je n'avais pas un atelier et puis voilà, quand travailler, faire des peintures ou je ne sais quoi. Et donc je pense que effectivement ça a dû très fortement me marquer puisque ça m'a plus ou moins fait prendre des décisions comme celle de, de ne plus chercher à avoir un atelier, je travaillais dans un, une espèce d'endroit un peu caverneux dans une sous-pente à Paris qu'on m'avait prêté d'ailleurs et tout à coup, j'ai dit, bon, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de trouver un lieu, trouver de l'argent pour pouvoir le louer, etc. Et franchement, aussi bêtement que ça, mais c'était à cause de cette idée, qu'est-ce qu'on fait qui peut être dans la présentation, disons, publique, aussi vif, aussi vivant, aussi tout ce qu'on veut, mais intéressant, que ce qu'on peut voir si on va dans l'atelier de l'artiste. Et, et donc, euh, voilà, j'ai fait un raccourci en disant bah, je vais déjà enlever l'atelier de l'artiste <laughs> pour voir si on peut garder cette chose vivante euh, quand on le montre aux autres et non pas euh, qu'on le fait pour soi. D'ailleurs, ça, ça oblige plein, à plein de choses, ça change tout, hein, parce que donc on ne travaille plus pour regarder et être le seul à voir. D'ailleurs, je suis parti de là pour dire qu'un travail n'existe que quand il est vu par une, une autre personne. Que celui qui le fait. Pour moi, un travail d'un artiste qui ne peut pas montrer ou ne veut pas montrer n'existe pas ou n'existera que le jour où quelqu'un l'aura vu. Donc avant ça, c'est bien, mais c'est tellement personnel que ça regarde personne. Et euh, alors, d'abord, c'est très étonnant. C'est ce, ce, euh, comme une espèce de formation, mais sans formation, puisque finalement, euh, c'était juste une rencontre avec plein d'artistes, dont certains. Enfin, il n'y avait pas une histoire de goût, même presque pas d'intérêt. C'était juste euh, ce qu'ils qu faisaient, le fait qu'ils étaient artistes, qui, qui a poussé à la rencontre. Et, euh, et là-dedans, cette question-là, il y aurait aussi, euh, quand même, euh, Picasso, quoi. <laughs> Genre, comment on rencontre Picasso euh, comme ça ah, C'est-à-dire qu'il faisait partie de tous ces gens qui vivaient et qui travaillaient en, en Provence. Et ça, il enfin, fallait vraiment être idiot pour pas le savoir, parce que si on parlait d'une personne, c'était de lui. Et je dois dire que pour moi, ça ne posait pas un problème. Mais toutes les fois que je voyais quelqu'un, j'essayais de savoir, grâce à cette personne, euh, qui d'autre habitait à côté, par exemple. Puisque la majorité des gens, je ne connaissais même pas, évidemment, leur nom. Donc j'allais, en fait... D'une personne à l'autre, plus ou moins euh, recommandée par la personne que j'avais contactée ou que j'avais pu rencontrer. Donc petit à petit, ça, ça accumule et que ceux qui connaissaient Picasso, tous me disaient Non, inabordable, ce n'est même pas la peine <laughs> d'essayer. Mais je continuais à essayer de voir s'il fallait au moins connaître son, son lieu d'habitation, etc. Alors, il y avait toujours les mêmes arguments, mais non, il a, autour de lui, il y a sa femme, il y a son chauffeur, etc. C'est impossible, impossible. Et en tout cas, euh, moi, je ne vous donnerai pas l'adresse. <laughs> Finalement, euh, des deux personnes que j'avais donc rencontrées, qui, eux, c'était des critiques d'art et collectionneurs euh, anglais, que, qui habitaient euh, oui, près d'Aix-en-Provence. Et puis, ils avaient une collection assez formidable d'artistes comme Léger, Masson, Picasso, etc. Et je leur disais un peu ce que je faisais. Et je leur dis, et vous, vous ne pourriez pas me donner l'adresse. Alors, ils me l'ont donné en me disant, ne dites jamais que c'est nous qui vous avons donné cette adresse. Voilà. Et je me suis... Enfin bon, ce n'est pas très intéressant. Je me suis pointé là où il habitait. C'était à l'époque, c'était à la Californie, à Cannes. Et je suis arrivé avec mon vélo moteur. Et j'ai sonné à la porte, au portillon. Là, le, la personne qui est sortie, c'était son chauffeur. Et il m'a dit... De toute façon, il est 10h ou un truc comme ça. Il sort jamais avant 11h, mais attendez devant. Je ne sais pas s'il si vous verra ou pas, mais attendez devant. Donc j'ai attendu. Le porche s'est ouvert. La voiture qui était une traction avant est sortie. J'ai reconnu qu'il y avait Picasso dedans. Et oui. ils sont partis. <rire> je ne <laughs> les ai pas revu. Alors je suis revenu le lendemain. <laughs> c'est exactement la même histoire et je crois que le lendemain ou le surlendemain euh, il a fait arrêter la voiture <laughs> et il est descendu et dit mais je vous ai déjà vu hier qu'est-ce que vous attendez quoi ici <laughs> et on a commencé comme ça à parler et du coup cette espèce de, de, de rencontre un peu bizarre où quand même lui s'est arrêté sorti de sa voiture etc. Et il me dit bon j'ai pas le temps là etc mais je tourne en ce moment au studio de la Victorine et là j'aurais un peu de temps venez on pourra parler un peu ensemble alors c'est quasiment immédiatement je me suis dit comment je vais faire pour faire ça j'ai regardé où c'était donc on était à Cannes et c'était à Nice et le lendemain je, je suis arrivé au studio de la Victorine et là, c'est toujours encore une petite anecdote, mais je suis arrivé, il y avait les, un, une espèce d'entrée de, de, avec une barrière et un gardien, et je dis Voilà, j'ai rendez-vous avec M. Picasso. <laughs> Alors, le type, il pense, il dit Mais non, il ne reçoit personne, il travaille, etc. Mais je dis Si, si, je vous assure, etc. Il prend son téléphone, il appelle, et là, il tombe sur, je crois, c'était la la fille de Picasso, la personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps, Maya, que je ne connais pas hein, du tout, que je ne connaissais absolument pas, et je l'entends dire au téléphone, si, 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 mon père l'attend, laissez-le monter. Et comme ça, j'ai passé quelques jours en sa compagnie en voyant le film, donc on ne pouvait pas rêver mieux, c'est comme si j'étais dans l'atelier de quelqu'un comme lui. Ouais. dont j'ai pu apprendre après que quasiment personne n'entrait dans l'atelier, et de voir travailler pendant 3-4 jours à la fabrication de ce film que tout le monde a vu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande quand même, ça vaut la peine. C'est donc le, le mystère Picasso qui a été fait par Clouseau. Il y avait déjà une, quand même une détermination euh, certaine. Et puis, je trouve aussi, euh, euh, c'est déjà une démarche artistique, en fait, de ne pas savoir, mais de déjà chercher, de déjà construire, de déjà, euh, de déjà faire euh, avant de savoir vraiment où on va. Parce que, du coup, à ce moment-là, tu. tu, tu euh, de ce que je comprends, tu ne crées pas encore euh, de manière euh, aussi intense que, que ça a pu l'être par la suite. Et, euh, et, a, et après cette période de visite, il va y avoir une première période en fait, de création avec même des choses. Euh, J'ai vu des personnages <laughs> qui suivent des lignes déjà, mais, mais des personnages. Oui, c'est-à-dire qu'après, ça, qu euh, ça m'étonnerait que beaucoup de gens ici connaissent cette chose. Qui a, je pense que ça n'a pas disparu, mais en tout cas. C'était assez bien pour les, les, les adolescents en fin d'études, c'est-à-dire pré-bac et bac. Il euh, y avait une, une espèce de bourse qui s'appelait les Bourses Elijah à cette époque-là, qui était ouverte à, à quiconque voulait présenter un projet. Et ensuite, l'idée principale, c'était que si ce projet était accepté, donc il y a eu des centaines et des centaines de jeunes gens à l'époque avec les garçons. Après, c'est devenu mixte. Quand ils étaient acceptés sur un projet, alors la plupart des projets, c'était la recherche de je ne sais pas quoi dans les mines africaines ou des machins, des voyages assez fous comme ça. Quand les gens de ce jury étaient convaincus que la personne avait une idée intéressante, il lui était donné à l'époque 200 francs anciens français, c'est-à-dire quasiment rien. Et ça, c'était un peu pour dire ben voilà, on vous fait confiance, voilà 200 francs qui ne vous serviront pas à grand-chose parce qu'on peut pas ni aller loin ni faire quoi que ce soit. Avec ça, vous vous débrouillez, faites votre étude et puis vous remettez votre étude. Quand tu remettais l'étude, après ça, euh, ils en prenaient une cinquantaine ou une trentaine. Je me souviens pas du nombre. Pour faire une deuxième étude, même système, même euh, somme euh, très 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 petite d'argent pour se lancer ou se débrouiller, et ensuite euh, le voyage et le résultat du voyage avec euh, le comment dire un compte rendu, un texte, enfin chacun faisait ce qu'il voulait. Et moi, je suis donc j'ai eu une deuxième bourse après mon voyage en Provence, et là j'avais choisi euh, de faire un travail au Mexique. Et donc, je suis parti au Mexique, euh, donc j'avais un an de plus, et là, j'ai étudié euh, les muralistes mexicains. Alors là aussi, j'ai beaucoup appris, et je suis sûr que ça, euh, bien qu'il n'y avait aucune perspective, et que j'ai jamais essayé d'imiter ce genre de choses, mais ça m'a certainement beaucoup marqué. D'abord, j'ai vu, euh, des, pour ceux qui existaient encore, après ça, en m'intéressant bien sûr à ce que ceux qui n'existaient plus avaient fait, parce que c'était à peu près leur, la fin de leur vie quand moi je suis arrivé en 1958 au Mexique, euh, j'ai donc appris à ce moment-là que l'école des, des muralistes euh, mexicains, c'était des gens qui s'étaient euh, battus, qui s'étaient euh, dans l'idéologie... Euh, mis en place principalement contre ce qui dominait à l'époque depuis le début du siècle à peu près, c'est-à-dire l'école de Paris. Donc, moi qui venais de faire une espèce de voyage dans ce qui pourrait s'appeler l'école de Paris ou ce qui en restait, et en tout cas dans cette idéologie, dans cette culture et autres, je me suis retrouvé d'un seul coup avec des gens qui ont défendu. Non, pas le contraire, mais complètement autre chose, et en tout cas une critique acerbe sur l'art bourgeois, sur ce que pour eux représentait l'école de Paris, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus bourgeois, de racide, de tout ce qu'on veut qu'il fallait, qu fallait rejeter. Donc c'était, je pense, très, très, pour moi, intéressant, donc 17-18 ans. De me dire, bon, il ben, n'y a pas qu'une façon de voir les choses, c'est pas que ça, même si on est né là-dedans, et il y a d'autres choses qui ont existé, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est sans doute plus vrai aujourd'hui, mais euh, l'école de Paris, l'art euh, en général, était vraiment, euh, comment dire, dominant ou avait dominé de façon assez forte toute la création euh, du, depuis le début du 20 siècle. Après, évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas eu que ça, mais enfin, ça a quand même dominé fortement les premiers, la première moitié du XXe siècle. Et donc, je me suis trouvé confronté avec cette idéologie très différente, ils étaient aussi révolutionnaires, et, et j'arrêterai là-dessus, ce qui était intéressant, c'est que ces gens-là, qui étaient très, très, très peu connus en dehors du Mexique, et un peu des États-Unis qui les ont fait travailler pas mal, dans les années 30 et après, d'un travail qui ne s'appelait pas comme ça, mais qui était un travail in situ, qui avait un tas de, 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 de raisons d'être dans leur idéologie, qui était celle aussi d'éduquer le plus possible de gens qui étaient presque tous illettrés. Donc c'est toute une philosophie qui est évidemment... Me semble intéressante, mais ne m'intéressait pas ou ne m'intéresse toujours pas aujourd'hui, parce que je ne suis pas dans cette situation. Mais donc, il y avait un travail qui voulait que les gens apprennent leur histoire, euh, les révoltes euh, politiques, etc., qui était développées par euh, ces fameux artistes. Donc, les plus connus, c'était Diego Rivera, qui était mort quand moi j'étais là-bas pour regarder ce qu'ils avaient fait. Euh, plusieurs noms comme Orozco, euh, Siqueiros, ce que j'ai rencontré, qui a été un des plus fous de l'équipe. <laughs> et voilà, et donc je peux dire que plus que les beaux-arts que j'ai fait très peu de temps parce que ça ne me semblait pas intéressant, et une autre école avant que j'ai faite en revanche d'art, c'est-à-dire à peu près au même moment après euh, le bac. Ma vraie formation, que je ne pensais pas être une formation quelconque, mais plutôt une aventure intéressante, etc., que j'ai bien vécue, euh, a été la vraie formation, je pense, pour la suite des choses, mais avec une répercussion qui n'était pas du tout immédiate, qui a été un peu longue à mûrir. Bah, euh... Ah ouais <laughs> non parce que ça m'avait semblé du coup assez rapide euh, entre parce que et du, à, au moment où, où tu pars au Mexique tu, tu dessinais déjà euh, du coup tu avais déjà fait un peu les écoles d'art et du coup tu dessinais déjà euh, parce que moi ce que je t'ai trouvé rapide c'est le passage de alors de ce que j'ai vu en même temps j'ai vu le début du film donc euh, avec des figures figuratives avec des, des personnages euh, et puis ça va passer aux lignes euh, au draps et euh, et, et et aussi, je me dis, c'est marrant, euh, comment... Euh, parce que de ce que je comprends, l'évolution, elle s'est faite sur euh, des îles américaines, c'est ça euh, Et là, euh, tu décides de plus faire de figure, mais tu décides de faire euh, de, 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 de ce que j'ai compris. Euh, de travailler entre la matière, la toile et la peinture. De créer comme une résonance et comme un, une rencontre et d'interroger ce médium-là plus que le dessin en lui-même qui semblait déjà perdre de son intérêt, non oui, ça, ben moi je parlais en fait juste un peu avant ça. Car euh, <coughs> très peu de temps après, mais quand j'avais fini juste l'école avant celle où j'avais fait le concours, qui était les Beaux-Arts, qui s'appelait l'École des Métiers d'Art, qui était un, une école pas mal du tout, qui était séparée en, en ateliers, et qui était située dans ce qui est devenu depuis euh, le Musée Picasso. C'est-à-dire. <laughs> On ne peut pas l'inventer. Ça nous tourne autour. <laughs> et euh, donc, juste après ça, dans, parmi les gens que j'avais pu rencontrer dans ces voyages, donc il y a toujours un lien qui s'est produit comme ça des gens plus que sympathiques et, et inconscients, un peu m'ont demandé si je voulais aller faire des décorations dans un hôtel qu'ils étaient en train d'ouvrir dans les Caraïbes. Alors, ça me semblait une très bonne idée. Comme, comme je travaillais comme ça pour moi beaucoup, je me suis dit, ben voilà, une occasion de travailler vraiment in situ. Donc, les premières choses que j'ai faites étaient véritablement in situ, et j'ai fait des choses dans cet hôtel partout où, où c'était possible, sur des grands panneaux en bois. Et ça a été sans doute en très peu de temps, enfin, ça a duré presque, presque une année. J'ai fait des, une trentaine au moins de grands, grands panneaux. Je pense que ça aussi, c'est une chose que je peux dire maintenant ou que je puis dire peu de temps après, mais pas sur le moment. En faisant ça, je me suis libéré de tout, toutes mes influences figuratives, de tout ce que j'avais vu depuis les. Picasso léger et puis tous les Mexicains etc et après ça j'ai plus jamais rien fait de figuratif donc <laughs> ça c'est resté Pour certaines non ça a été détruit parce que l'hôtel a, a été à travers un ouragan il a été à moitié démoli enfin bon j'arrête là mais c'est comme ça effectivement que j'ai vraiment commencé à travailler euh, je dirais même vis-à-vis -vis du public, puisque c'était dans un hôtel et que l'hôtel était juste ouvert en même temps qu'on m'a demandé de travailler. Donc, je travaillais tous les jours avec des gens qui regardaient ce que je faisais et, et, et c'était effectivement très très figuratif. Ouais. Et, et comment on sait que c'est la bonne voie Ah ben ça c'est une question où, euh, de toute façon, ça, je pense que la, après les proportions changent, mais dans le début. Je pense que c'est l'inconscience qui fait qu'on est sûr que c'est la bonne voie. Parce qu'il n'y a aucune raison. Il a strictement aucune raison. Mais enfin, je dois dire que j'avais aucun doute quand même. Mais, mais c'est complètement inconscient. Pourquoi, j'aurais surtout que j'étais encore en train un peu de rêver de faire du cinéma, pourquoi pas le cinéma qui aurait pu être aussi, euh, disons, passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire ou même l'écriture, des choses comme ça. Mais après ça, j'ai plutôt. Je me suis dit, si je ne fais pas un travail un peu plus pertinent et surtout un peu plus. Euh, comment dire euh, Moins survolant dans ce domaine-là, euh, à mon avis, rien n'est possible. Parce qu'on peut pas euh, papillonner dans tous les sens parce qu'on a un certain plaisir, soit à écrire, soit à faire des, des gribouillis ou n'importe quoi. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je me suis quand même défini, mais sans savoir que ça durerait un an ou 20 ans. Et tu te souviens un peu de ce qui de ce qui t'intéressait dans ces dans 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 ces peintures figuratives Qu'est-ce que comme une émotion ça pouvait produire de se dire, ça ça me ça m'intéresse plus de de voir ça. C'est comment moi, c'est-à-dire que je, je pense que je ne me posais pas cette question. Ce que je voulais, c'est être un, allez, disons-le carrément, un grand peintre faisant des choses reconnaissables, figuratives. Donc, d'une certaine façon, j'essayais de faire ça le mieux possible. Et ce n'était pas vraiment, on peut dire, c'est impossible de ne pas reconnaître. En même temps, ce n'était pas très académique. C'était tout ce que j'avais ou appris ou vu et que je je pouvais transcrire. En plus, je me méfiais, je me méfie toujours de ça, Enfin, maintenant j'ai un peu vieilli quand même, mais je me méfiais beaucoup de tout ce qu'on peut faire, je parle de moi, hein, qui est euh, fondé sur euh, une habileté ou des dons. Donc en fait, pendant des années, j'ai fait tout ce que je pouvais pour me casser le plus possible de toutes les facilités que je pouvais avoir. Et qu'est-ce que non mais parce que je me dis en fait quand on est tu vois, je me dis quand on est metteur en scène on cherche une espèce d'émotion une espèce de sens et, et du coup c'est obscur pour moi de ce que ressent le le, le plasticien ou le peintre euh, face à, à à des lignes figuratives surtout en fait je dis c'est pour ouvrir sur la question suivante qui alors me 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 fascine et me passionne ça va être le passage aux lignes où tu vas chercher un, un vecteur pour exprimer une performance euh, artistique, pour euh, pour peindre, de ce que je comprends, mais qui n'est pas, euh, qui ne vient pas de toi ou qui est ou qui comme ne bouge pas. Euh, et c'est là où vont apparaître les lignes euh, à partir du tissu, c'est ça euh, Oui, oui. <laughs> non, non, mais c'est c'est un peu comme ça dans le dans le déroulé. Mais évidemment, c'est pas venu ni d'un coup ni ni de rien. D'une certaine façon, quand je me suis parce que c'était un peu comment je le voyais. Quand je me suis débarrassé de tout désir de faire des images, de peindre des personnages, enfin tout ce qu'on peut faire, c'est illimité, bien sûr. Et que je me suis rendu compte qu'il existait aussi, et ce n'était pas une invention. Euh, toute l'histoire du XXe siècle et l'invention même du XXe siècle dans le domaine de l'art, c'est quand même ce qu'on a appelé, même si c'est un mot configuratif un petit peu éculé et pas vraiment aussi juste qu'il le paraît, euh, l'abstraction, c'est le XXe siècle. Donc la grande, la grande histoire du XXe siècle, la grande nouveauté du XXe siècle, c'est la... la ce n'est pas seulement évidemment Picasso ou Matisse, mais c'est Malevich, c'est euh, ensuite Pollock, ce sont des gens qui d'un seul coup ont véritablement abordé des domaines qu'on n'avait jamais touchés avant. D'une certaine façon, pour prendre Picasso comme exemple, on peut dire que toute sa vie, il a été euh, un classique. En même temps, il a bouleversé pas mal de choses, donc ce n'est pas si simple que ça. Mais je veux dire, ce n'est pas lui l'inventeur de la, de la peinture abstraite, par exemple, qui est quand même certainement une invention, une des inventions les plus importantes qui a pu se faire dans le domaine des arts visuels au XXe siècle. Euh, et donc moi, j'ai commencé aussi à ce moment-là, ayant abandonné tout ce qui pouvait permettre de figurer, de ressembler à quelque chose, même si c'est bien sûr transformé. Euh, c'est ça à quoi je me suis attelé. Donc petit à petit, c'est vraiment devenu physiquement autre chose. Plus tous les problèmes qui, eux, devenaient de plus en plus aigus, qui étaient, euh, mais qu'est-ce qu'on donne à voir Et qu'est-ce qui se passe entre le moment où on fait ce travail et le moment où on va peut-être le montrer Parce que ce n'est pas d'un seul, seul coup que j'ai commencé à faire des choses dans la rue, par exemple. Mmh. Mais effectivement, petit à petit... Euh, mmh. Si même on, et c'est pour ça que je reviens à l'histoire des, des bandes en travaillant sur des choses non figuratives, j'avais fait beaucoup de peintures où j'utilisais des, des, des procédés assez simples d'avoir des fonds colorés. Enfin c'était les premières choses que j'ai fait quand j'étais dans cette île, l'île vierge de Sainte-Croix, dans les Caraïbes. Comme il n'y avait pas de tissu à trouver, pas de de tissus pour peindre ou autre, j'ai acheté des draps. Et tous ces draps étaient colorés. C'était bleu ciel, vert tendre, rose, etc. Donc, <coughs> pardon, ça me servait de fond. Ensuite, je recouvrais tous ces draps avec du, du masking tape, c'est-à-dire des, des machins collants pour les peindre, des scotch, c'est oui, ça. Et euh, je peignais là-dessus. Et ensuite, je retirais les masking tapes et j'obtenais des formes généralement verticales, un peu comme celle-là. Et tout ça, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et ça me semblait bien, mais trop bien. Ou de nouveau, trop... Euh, je ne sais pas, enfin, il y a encore des restes de ça, mais je trouvais ça très négatif parce que ça me semblait être de toute façon toujours un peu... quelque chose qui pouvait être de la peinture telle qu'on avait pu la voir ou qui pouvait être ressembler à la, une chose très classique. C'était pas l'avis de tout le monde, hein, mais moi c'était mon avis. Ça. Donc petit à petit, ça, j'ai travaillé avec ça. Et un jour, pendant ce voyage, je suis revenu en France pour chercher des des, des pâtes de verre parce que je faisais des grandes euh, euh, fresques. Euh, en, en une série, parce que j'ai oublié de dire ça, mais après ce travail, cinq ans après, j'étais de nouveau invité. Donc là, ça faisait 18 et 5, ça fait un peu plus, 23, quoi, 23 24. <laughs> ouais, et là, les mains. mêmes gens, d'ailleurs, qui m'avaient invité, qui avaient trouvé ça très bien, etc., m'avaient réinvité pour faire ce que je voulais, parce qu'ils n'étaient pas là en train de dire on aimerait ci ou on aimerait ça. Et sans savoir ce que j'allais pouvoir faire, j'ai accepté l'invitation et moi j'avais complètement changé entre-temps. Donc c'était fini de faire des, des illustrations. De, de... Et donc j'ai travaillé et j'ai rempli tous les murs qu'on m'avait donnés avec des mosaïques en pierre. C'est-à-dire des, que des éléments trouvés dans l'hôtel, les détritus et tout, mais solides comme la faïence et autres, et les cailloux de la plage et les, euh, les tuiles pour les toits, enfin tout ce que je trouvais qui était cassé ou dans les rebuts. Et donc j'ai fait une série comme ça de, de grandes pièces, et la plus grande de toutes, je l'ai faite avec des, des vrais carreaux de mosaïque venant de Venise. Et donc euh, il en manquait à un moment donné, j'ai dû faire un voyage à Paris pour euh, acheter de nouveau ce qui manquait, et retourner dans les Caraïbes. Et quand j'ai fait ce voyage à Paris, je me suis dit, ben là, je vais en profiter, parce que ça fait déjà 7-8 mois qu'on était dans les Caraïbes, je vais acheter du tissu, parce que je... peut-être ce serait mieux que de peindre toujours sur des draps. De... Et là, en cherchant du tissu, je tombe sur des tissus rayés au marché Saint-Pierre. Et quand je vois ça, je me dis, zut, mais c'est exactement ça que je voudrais faire, que je n'arrive pas à faire. C'est beaucoup mieux. Donc, <laughs> Donc en fait j'ai acheté euh, 10 mètres de tissu. C'était d'ailleurs très très bon marché. Et je suis revenu avec ça sous le bras et j'ai commencé à travailler sur ce tissu rayé qui me permettait de faire d'autres choses dessus parce qu'il y avait toujours une trace euh, peinte. Mais d'un seul coup avec un fond qui au lieu d'être travaillé et qui donnait finalement un, un aspect sans doute pas si mal que ça mais assez classique picturalement parlant j'avais quelque chose de beaucoup plus rigide et à mon avis beaucoup plus intéressant et sans non plus le savoir parce que si c'était pas un programme j'ai développé ça et puis ensuite j'ai eu toute une période au début où et c'était plus idéologique que peut-être pictural mais les deux se rejoignent quand même de me dire aussi que qu'est-ce que c'est qu'un artiste qui est censé faire toujours quelque chose de nouveau? ça pose quand même une question. et ce n'était pas non plus une solution, parce que sinon ça aurait été vraiment absurde. mais pour essayer de voir ce que ça voulait dire, quand même, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas aussi bien de refaire toujours la même chose? et au début de mon travail, c'était un petit peu ça, pendant presque deux ans, j'ai fait toujours la même chose. <laughs> Et au fur et à mesure, les, les lignes, les peintures sur le tissu disparaissent. Euh, parce que j'ai vu qu'au début, il y avait comme des cadres. Et puis après, il y avait des bandes sur les côtés. Et après, tu t'es mis à utiliser les lignes. Euh, il y a toujours de la peinture lignes. dessus. Et il y en a encore euh, maintenant Je ne fais plus du 12 <laughs> Et, et tu, donc, après, je suis passé du, 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 de ce support tissu avec encore l'idée qu'il faut un atelier pour faire ça. Oui, oui. Et quand euh, j'ai décidé que j'avais plus d'atelier, je me suis dit, c'est très bien, euh, Paris est à moi, <laughs> parce que j'avais quand même ça en tête. Je me disais, mais c'est vrai, sans atelier, je fais quoi Je vais travailler comment, etc. Et j'avais dit, mais étant parisien, Paris était, mais je pense que c'est sans doute encore vrai pour des choses que je ne peux pas imaginer aujourd'hui, mais que d'autres sans doute ont ou vont imaginer. Euh, c'est un terrain où on peut faire des expériences par milliers. Et donc, euh, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça Donc, comme j'étais intéressé par le fait de donner le minimum possible à voir pour poser d'autres questions, si je peux résumer comme ça, je me suis dit, mais comme ce tissu me semble quand même intéressant dans sa neutralité, son impersonnalité, etc., je vais imprimer du papier. Et ça, Paris, c'est connu depuis la Révolution. On colle des papiers partout. <laughs> D'où d'ailleurs ces trucs qu'on voit encore très effacés dans Paris, défense d'afficher. Ouais. Ça, ça, vient de là, quand même, parce que <laughs> tous les. Ah, bravo. <laughs> Et donc, j'ai commencé à ce moment-là à utiliser presque exclusivement les papiers imprimés, qui avaient deux avantages. D'abord, c'était très similaire visuellement à mon fond sur lequel je peignais. Secondo, c'était pas cher du tout à imprimer. Et tertio, c'était très très pratique. Et on peut avec une cinquantaine de, de feuilles remplir un métrage carré énorme. Mais... Et vite en plus. Et <laughs> ça dépend. <laughs> euh... Pardon, c'est une private joke. Euh, mais ce qui t'intéresse dans ces lignes, du coup, c'est qu'elles sont impersonnelles. C'était ça au début, oui. Et je ne peux pas nier qu'à force d'avoir travaillé avec ça, il y a des gens qui pensent que dès qu'ils voient des lignes verticales, ils pensent à mon travail, même si ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est objectivement, il y a très très peu quand on réfléchit, si on veut réfléchir à des, disons des, des choses visuelles qui soit euh, neutre, on pourrait penser que c'est à foison. En fait, c'est très, très, très peu courant. Il y a mais... très peu de choses qui soient vraiment neutres, c'est-à-dire qui, qui ne disent rien avant qu'on en fasse quelque chose, si je peux exprimer ça de cette façon-là. Parce que c'est ça, quand je dis neutre, c'est pas neutre par rapport à peut-être quelque chose d'opposé, mais en tout cas... Euh, c'est neutre par rapport à beaucoup d'autres choses qui disent beaucoup plus, mais même dans, dans une chose abstraite. Mais parce que qu'est-ce qui motive euh, quelqu'un qui veut être peintre euh, et reconnu comme tel à, pour l'être, utiliser quelque chose de neutre et donc qui le dépersonnalise et donc qui retire la personnalité du peintre Ah oui, c'était ça la volonté au début, complètement. Absolument. <laughs> Mais absolument. Et, et où est la motivation alors où est le... La motivation, c'est déjà c'était euh, une critique sur euh, sur l'attitude habituelle de l'artiste. Je suis toujours d'ailleurs complètement euh, d'accord avec ça. Hein. Je pense que euh, la vision et alors l'idéologie en tout cas occidentale. Euh, Qu'on met sur euh, le dos de l'artiste est euh, extrêmement euh, nocive et, à mon avis, absurde. Et <laughs> mais ça reste encore. C'est vrai que c'est aujourd'hui un peu comme ça que, que même la plupart des artistes euh, se présentent. C'est-à-dire euh, <coughs> de rendre parfois des choses, alors qu'ils ne sont pas forcément euh, nuls, mais qui sont. Euh, assez naturel ou normal comme exceptionnel. Il y a toutes ces choses, cette aura qui vient se mettre pour ceux qu'on va sélectionner, je dirais la société en général, quand ce n'est pas l'artiste tout seul qui se présente comme un génie. Euh <laughs> Et qui vont donner cette lumière. Un... Il suffit de regarder n'importe quoi. Il suffit de regarder comment. Ça, ce n'est pas de la faute de l'artiste en lui-même. Sauf que s'il ne se bat même pas contre ça, ça risque pas de changer. Mais c'est aussi les autres qui font que on va interpréter les travaux ou l'attitude de celui qu'on va définir comme étant un artiste. Parce que je pense aussi que, par exemple, moi, je dis jamais que je suis artiste. Et. Euh... Alors aujourd'hui, ça paraît un peu plus absurde qu'il y a 50 ans. Mais en même temps, euh, je pense toujours que si on met un certain sens euh, puissant sur le fait qu'on puisse être artiste ou être défini comme tel, ce ne sont que les autres qui définissent ça. pas. Alors, Je sais aussi que la plupart des artistes qui vont défendre leur... défendre leur travail finiront par dire oui, mais c'est de l'art. Mais comme ils ne définissent pas ce que c'est que de l'art, on peut dire ce qu'on veut. Mais alors, du coup, ouais. comment, euh, à partir d'un matériau le plus neutre possible, qui efface comme la personnalité de l'artiste, ça crée quand même des œuvres Bah ben ça, euh, <laughs> c'est moi qui devrais <laughs> poser la question. <laughs> c'est notre problème, quoi. Oui. <laughs> Non, mais il y a une chose évidemment euh, qui est sans doute la plus intéressante pour moi, c'est que en, en ayant cette espèce de, comment on peut dire, d'assèchement volontaire de ce qui est donné, de l'effacement, euh, disons personnel ou individuel de celui qu'il fait au bénéfice de ce qui est montré, sans oublier que ce qui est montré, c'est vraiment le minimum possible de ce qu'on peut montrer. Il y a une chose qui apparaît et qui elle est évidemment, à mon avis très nouvelle et très intéressante. Et je, en fait je travaille toujours dessus depuis que j'ai vu ça de très près, c'est que ce qui se passe et ce qui change tout, c'est que c'est l'environnement qui fait l'ensemble. Ça veut dire que c'est le lieu qui commence à être important et non pas l'objet quel que soit l'objet ou les objets, parce que ça fait longtemps que je ne mets pas seulement un bout de papier dans un coin. Donc il euh, y a d'autres choses qui viennent se passer, je ne vais pas parler de ça maintenant comme ça, mais il se passe plein de choses. Mais ce qui est essentiel, c'est que d'un seul coup, ce qui est fait a lieu à cause d'un contexte. Et tout ce contexte... Et c'est pour ça, par exemple, qu'il est difficile. Moi, j'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé. Quand je dis deux mots sur, sur ce que je fais, je dis oui, je fais un travail comme ci, comme ça. Mais le mot travail, il est évidemment complètement euh, difficile à utiliser. Mais je ne dis jamais je fais une peinture ou je fais une sculpture ou je fais je ne sais pas quoi. Parce que la seule autre définition est celle que je ne veux pas. Je fais, euh, je sais pas, une œuvre d'art ou euh, un travail artistique, ou... et ça m'intéresse pas du tout parce que tout ça est connoté de telle manière que c'est une façon peut-être aussi de me cacher si je disais ça en disant bah, vous prenez ce que vous voulez parce que quand je vous aurais dit que c'était de l'art, je vous aurais pas beaucoup avancé. Ouais. Mais si je dis c'est un travail qui développe telle ou telle chose sur, par exemple, un espace tridimensionnel. Non pas, non, pas que c'est plus compréhensible, mais au moins on sait un petit peu pourquoi c'est là et pas autre part. Et donc Le, le fait... lieu, donc, est, est, est la chose essentielle. Mais on ne fait pas dans ce lieu, on peut pas faire n'importe quoi. Ça ne suffit pas. <laughs> Mais le fait d'y faire quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, ça révèle le lieu ou juste le, le, le comme si. Est-ce est que je peux dire que euh, l'œuvre, elle se crée de la résonance du lieu et de ce qui y est apporté et que ça, ça produit une pensée ou une émotion ou la pensée, c'est l'émotion euh, ou il n'y a pas d'émotion? Euh, non, mais qu'est ce non, qui circule? Je comprends. Très bien ta question parce que justement c'est ça la difficulté euh, c'est pas la difficulté en tant que euh, de faire la chose mais d'essayer de faire le distinguo même quand on dit ben bah, voilà le travail ou voilà comment marche ce travail bah, je prends un exemple que tout le monde connaît euh, le travail que j'avais que j'ai intitulé les deux plateaux au palais royal ah, c'est toi ouais. <laughs> <laughs> Par exemple, si a... c'est évident que euh, ce travail, c'est difficile, si même je le voulais, mais ça, ça, évidemment c'est absurde de dire ça, euh, de penser que le enfin, les royales, Royal soit n'existe pas, <laughs> soit j'en suis l'auteur. Or, tant que cette pièce est là où elle est, il y a une espèce d'osmose entre ce lieu qui a des siècles d'existence et ce qui a été apposé qui est absolument indissociable. C'est pour ça qu'au moment de la polémique quand les gens les plus futés disaient "Ah mais c'est pas grave, ça va, c'est très très bien mais il faut le mettre autre part", ça me faisait doucement rigoler parce que il n'y a pas d'autre part, ça peut être que là. Mais en même temps le fait que ça ne peut être que là, c'est bon, non pas que ce soit la seule chose qu'on aurait pu faire, en tout cas c'est celle que j'ai faite, euh, implique aussi que cet ensemble est transformé. Et cet ensemble, alors là on peut dire que c'est plus important que ce que j'ai fait, je m'en fous complètement et c'est peut-être même vrai, mais étant devenu indissociable, il y a une espèce de, de difficulté, disons, conceptuelle à bien voir que c'est pas parce que c'est devenu indissociable que je suis l'auteur du Palais Royal. Mmh. À aucun moment. Et pourtant, le Palais Royal, il est, cet endroit du Palais Royal, est complètement transformé par le travail. Mmh. Mais ce travail ne dépend que de ce lieu. Donc il y a vraiment là quelque chose qui, per, qui permet peut-être de toucher du doigt ce qui se passe tout le temps. Quand on fait un travail de cet mmh. ordre. Si je prends un exemple à l'envers, tu prends n'importe quel tableau au Louvre et tu vas le mettre n'importe où ailleurs, c'est toujours le tableau. Ouais. Et le Louvre, on s'en fout s'il a changé de musée. <laughs> et, et donc ça, c'est ce qui définit le, 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 le travail en soi et, 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 et ce qui définit ce qu'il ce qu provoque. Ah, mais ça, ça dépend, parce que ce qui peut être fait dans un lieu X, moi, j'ai pas une, un programme en disant voilà ce que je vais faire. Enfin, d'abord, je ne sais jamais ce que je vais faire voilà. avant d'avoir vu le lieu ou de connaître le, le lieu. Donc, c'est obligatoire pour moi, en tout cas, que ce lieu euh, il va sans doute me dire ou me raconter quelque chose. Et à ce moment-là, ce qui peut s'y faire, ça navigue de la critique absolue à, à l'adoration du lieu. Et... Euh, et même si c'était ça que j'avais dans la tête, rien ne dit que le résultat de la critique soit visible. Mmh. C'est pas obligatoire, c'est pas non plus tel... c'est pas didactique. Mais ça, ça, je sais qu'il y a des travaux qui sont beaucoup plus homogènes au lieu que d'autres qui sont grinçants. Mais ça, c'est parce que c'est ouvert. Il s'agit pas de faire que des travaux grinçants, par exemple. Ça m'intéresserait pas trop d'avoir cette idée. Mais alors et, et... Ce qui t'intéresse, c'est de, de créer de la pensée pour la personne qui visite le lieu euh, Ce serait le mieux qui puisse arriver. Oui. <laughs> J'avais une autre super question, mais c'est l'heure d'ouvrir les, les, aux questions du public si vous en avez. Sinon, moi, j'en ai d'autres. <laughs> euh, ben, Allez-y, je vous en prie. Ah, merci pour ce bel éclairage de votre parcours euh, artistique, on peut, le, on peut le dire quand même. Euh, moi, je voudrais revenir sur l'œuvre euh, ou la performance. Je ne sais pas trop comment on peut définir ce que vous nous présentez ici au, au Théâtre 14. Euh, et surtout sur son côté éphémère. Euh, même si euh, j'en ai vu une captation vidéo au MacVal, euh, me semble-t-il. <laughs> euh, que, que, quelle est la part euh, alors, vous donnez des consignes assez fermées, finalement, mais un petit peu ouvertes quand même pour les couleurs. Je ne sais pas comment on peut les appeler, les artistes colleurs euh, qui collaborent à cette œuvre. Des euh, performeurs, très bien, parfait. Les performers. On, a, on a le, le rang des performeurs juste devant moi, ça me fait plaisir. Je les félicite, bien sûr, pour, pour leur prestation. Et euh, oui, donc, dans ce côté éphémère, euh, je voudrais savoir quelle est la, quelle est la part de, de conception préalable de, de mémorisation euh, de, de, de ce que vous voyez au fur et à mesure se, se passer devant vous, puisque effectivement on comprend surtout à la fin, c'est pour ça que c'est intéressant de voir tout ce processus, c'est pas seulement un produit fini, si je peux dire, euh, et, 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 et une certaine part d'improvisation quand même, parce que là c'est soumis aussi aux gestes des déchireurs, on peut le dire, <laughs> qui, qui, ont, qui ont une approche personnelle là pour le coup, et c'est Peut-être un peu le seul espace de liberté qu'ils ont sur, sur l'élaboration de cette œuvre. Donc vous, est-ce que est -ce que vous mémorisez Parce que c'est la question que je me suis posée en rentrant chez moi. Est-ce que vous mémorisez vraiment toutes les superpositions que que vous élaborez, ou est-ce que le, le hasard a quand même une grande part dans, dans cette élaboration bah, Je dirais que c'est le c'est vraiment improvisé au fur et à mesure. Donc c'est peut-être pas le hasard complet mais que aucune, je, je me force même, mais je ne vois pas où j'aurai d'ailleurs une, une prévisualisation de ce que ça va devenir. Donc en fait, moi, je me laisse... Euh, disons que même si je ne la prépare pas à l'avance, c'est la première couleur qui va définir tout le reste. Ensuite, ça va être la façon dont ceux qui collent, collent. La vitesse à laquelle ils vont en plus, il y a quand même des objets qui permettent de faire d'autres types de régulation. par exemple, il y a deux échelles hautes et une petite. ça veut dire que s'il y a trois trucs hauts en même temps, ça ne peut pas se jouer. donc, il faut que, en fait, compte, je, je, je sais, pendant que ça se fait, comme je ne peux pas deviner trop de la vitesse, enfin, en plus, on se connaît très mal. parce que j'ai d'ailleurs jamais fait ça. c'est une première. Qu'on fasse trois séries, trois, trois performances, appelons ça performance, en trois jours, euh, je ne l'ai jamais fait. J'ai commencé ça la première fois il y a une, plus de 40 ans, et c'était toujours une fois. Et puis après, c'est fini pendant deux ans, trois ans, et puis on retrouve une occasion de pouvoir le faire, et on fait un deuxième, etc. C'est pour ça qu'il y a toujours un sous-titre plus ou moins un, un, un explicite qui est. Euh, ce que d'ailleurs Mathieu dit au début, ce soir par exemple, ce sera l'acte 19. Bon, ça veut rien dire, sauf qu'il y en a eu 18 avant. <laughs> et donc, euh, je suis comme tout le monde, sauf que j'ai une action, mais je suis spectateur. Et donc, il y a un fil, et ce fil. Alors, ce que vous avez dit, c'est juste, c'est un minimum de, de règles. Que chacun, euh, par exemple, ils ont une position par rapport au mur qui est, euh, qui est fixée à l'avance. Mais quand elle est fixée à l'avance, c'est pas parce que. À la limite, c'est eux qui choisissent leur place. Mais une fois que la place est définie, il faut rester dans ce cadre-là pour que ça puisse être justement dirigé. C'est comme si, euh, même dans un orchestre, celui qui joue du violon ne se met pas au piano, par exemple. C'est un peu préparé. <laughs> Et donc, ensuite, la mise en place euh, se fait, mais je la fais euh, à la fois intuitivement et aussi par curiosité. Par exemple, si je vois qu'il y a une masse qui se développe et qui est toute bleue, je me demande tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que ça va faire avec un violet Et hop, on met un violet dessus. Et. Et eux-mêmes, je sais, le voient très mal parce qu'ils ont le nez dessus, donc ils peuvent pas voir ça. Ils savent qu'ils vont mettre un violet là où j'ai demandé, mais ils savent même pas pourquoi. Le seul moment où ils vont voir un peu ce qui s'est passé, c'est quand tout est fini et le résidu après les, dé... les déchirures qui vont rester sur le panneau avant de le nettoyer ou de le jeter. Donc il y, a du, il y a du hasard, mais il y a aussi un rythme qui se crée et qui me force à faire des, des positionnements de couleurs plus ou moins, euh, comment dire, en épaisseur ou pas, qui va dépendre complètement de, des, des cinq personnes qui vont euh, coller. Et je suis sûr que si, déjà, j'ai pu voir en, entre nos petites répétitions et les deux autres actes faits avec le public. Beaucoup de choses ont changé. <laughs> aussi parce que je vois mieux comment ils font et que donc peut-être ça. Et alors pour votre dernière question, euh, sauf peut-être la toute dernière euh, couche superposée, je me souviens absolument pas ce qu'il y a dessous. Parce que en fait, vous, je pense que les gens remarquent ça aussi. On voit un panneau qui a une tendance à les, disons. Euh, Rouge, rose, tout ce qu'on veut, et puis après ça, elle change, et puis elle a pris autre, une autre couleur. Quand on en met une, on la voit vraiment. Quand on en met dix, on voit un peu moins, et surtout, on se souvient plus de ce qu'il y avait en dessous. Et pour moi, c'est pareil. D'où, d'ailleurs, si je peux dire une chose, et qui a marché mieux euh, de jour en jour, plus on va vite, plus tout le monde oublie ce qu'il y a dessous. Et à commencer par ceux qui travaillent. Et comme ça, ils ont eux-mêmes une surprise. En, en déchirant, ils savent, tiens, ah, c'est bleu et maintenant c'est rouge. Et tout ça apparaît et ça, ça fait partie du, du travail quand même. Mais je crois que c'est d'autant plus efficace qu'on se souvient plus... Si on se souvient de la couche qui est juste en dessous, je suis sûr que personne ne se souvient de la première couche, à part le noir. Et encore... Et encore oui. <laughs> Est ce qu'il une... sera la dernière question parce qu'on a été un petit peu long euh, voilà et eh ben voilà c'est vous vous êtes l'élu bonjour à tous je vous remercie de cet espace que je vous remercie de cet espace que je trouve fascinant vraiment merci au théâtre et je voudrais parler un peu sur cette particularité de votre travail celle de l'artiste-commissaire et en fait si votre travail s'avère in situ et les lieux, un composant indissociable de votre œuvre. Je voulais savoir si l'utilisation du sol en tant que lieu de création et lieu d'exposition, en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce support qui est d'ailleurs inhabituel dans l'art contemporain et, euh, Pardon, excusez-moi, par... avant que je n'aie pas compris. Oh oui. Euh, Qu'est-ce que c'est le point que... En fait, je voulais euh, parler de euh, certains de vos travaux sur l'utilisation du sol. Ah, du et sol, pardon, c'est ça que j'ai oui, pas compris. Oui, 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 en tant que support de création et des supports d'exposition, on voit aussi dans, dans les deux plateaux. On les voit aussi dans l'effet le contre-effet que vous avez fait à Versailles, mais aussi dans, les, dans son théâtre, euh, les salons Royaux Royal à Bruxelles. Pourquoi les sols je, je, En fait, je travaille sur ça dans ces moments, et je suis très intéressé bah, d'avoir votre réponse. Euh, C'est pas facile de répondre. C'était une ça question pas du simple. tout comme question. Non. Alors d'abord, d'abord, euh, de nouveau au XXe siècle, même si on est au XXIe, euh, le sol et pas seulement d'ailleurs. Si on remonte à d'autres choses, on pourrait aussi parler de ça, mais en tout cas dans des choses de, de, quasiment du, du siècle dernier, il y a vraiment euh, pas mal d'artistes qui ont travaillé avec le sol et qui ont fait du sol. Euh, je dirais que dans les plus récents et toujours vivants, euh, un artiste comme Carl euh, André aux États-Unis a fondé tout son, c'est le cas de le dire, tout son travail sur le sol. Il a enlevé tout le reste, il reste plus que le sol, enfin ce qui met sur le sol, et qui généralement, en plus, est au ras du sol. Donc, c'est même pas. On pourrait dire, bah oui, mais n'importe quel sculpteur qui met un poids sur un, un plancher travaille avec le sol. Ce qui est vrai et pas aussi vrai que Carl André, par exemple. Donc, moi, je pense que quand j'utilise le sol, euh, c'est pro, plus proche de Carl André. C'est plus dans ce sens-là. Donc, euh, ça dit quelque chose de là où on marche, etc. etc. Maintenant, bon, bah c'est surtout aussi pour dire que utiliser le sol n'est pas forcément original, mais c'est... Euh, si vous parlez de la peinture, évidemment, la peinture, c'est plutôt le mur. Et il euh, y a plus de choses sur le mur que sur le sol. Bah, c'est une façon de répondre <laughs> en faisant une blague, mais, <laughs> mais je suis d'accord avec vous que de toute façon c'est en tout cas aussi intéressant que le plafond. <laughs> Moi je pense que c'est une très bonne une très bonne conclusion, parce qu'en même temps, tu n'es pas peintre. Ce n'était bah, pas, pas une affiche dans une, dans une exposition. <laughs> Il y en a beaucoup qui pensent que je suis peinte, mais moi je, je dis toujours, bah, écoutez, prouvez-le. <laughs> et ça, c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup de, de t'être prêté à l'exercice. Merci pour tout, tout ça. Euh, et puis à ce soir, pour le dernier acte, en tout cas pour cette série au théâtre 14, l'acte 19 de couleurs superposées, ce soir, 20h. Merci beaucoup.